Bonjour tout le monde, c'est Malba pour l'épisode 64, l'épisode 14 de Super 64. Dilas Impact, la dernière fois, on avait tout simplement laissé à la fin de la ruche d'abeilles. On avait fait beaucoup de niveaux dans la ruche d'abeilles. Et on se retrouve maintenant dans le niveau de la lave, tout simplement, pour se retrouver dans le niveau qu'on avait toujours pas fait. Et j'ai envie de le faire tout simplement parce que je pense qu'il faut récolter 60 étoiles. Et je récolte, faut en récolter 80 pour pouvoir avancer dans un nouveau hub. Et c'est ce que je crois que je vais faire en premier. Comme ça va être fait et on va pouvoir passer, merde, on va pouvoir passer à d'autres choses. C'est comme je dis en ce moment, on peut pas trop le faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi que, comme dans les autres Mario Galaxy, on peut tout simplement marcher sur la lave quand on a la fleur de glace. Vraiment c'est dans le même principe et ça je savais vraiment pas trop. Mais quelqu'un m'a dit qu'on pouvait, donc moi je trouve ça très cool là-dessus. Qu'est-ce que c'est ici? Oh, c'est vraiment une glissade. Ah, nice. Oh, merde. Oh, merde. Cette glissade de fou. Je peux quand même recentrer la caméra pour essayer de m'aider le plus possible. Ouais, je crois que ça va y aller mieux de même. Au moins, il n'y a pas de timer. Il n'y a pas un truc genre, dépêche-toi pour essayer de faire cette glissade. C'est quand même une bonne chose. Il faut vraiment faire attention à certains mouvements. Et jusque là ça va bien. Et la ligne finale. Jusque là. Nice. Pas de musique de fin. Malheureusement. Et pour la question du jour, je sais pas si je l'ai posée tout simplement, mais c'est ce que vous aimez le plus dans ce let's play jusqu'à maintenant. J'ai envie de faire un mini récap parce que je pense qu'on est revenu à environ la moitié du chemin. Donc c'est tout simplement savoir ce que vous aimez le plus dans cet acrome, dans ce let's play, n'importe quoi. Dites-moi ce que vous avez adoré le plus. La musique, mon humour, n'importe quoi, mes fails, c'est sûrement ça que vous allez sortir en premier. Mais c'est de savoir ce que vous avez eu le plus de fun à regarder dans ce let's play en général, c'est ce que j'aimerais savoir. Donc là, je dois trouver les petites caisses rouges. C'est une quête que j'adore vraiment faire à chaque fois, parce qu'il faut toujours chercher un peu partout pour trouver des trucs. C'est ce que j'adore le plus dans la vie, c'est chercher les choses pour trouver des trucs. Hein. Bon, je déconne, c'est vraiment pas ce que j'aime le plus. Ça, c'est pas supposé être un canon. Ouais. Je sais pas si le canon est très utile dans ce niveau. Ok, on peut sûrement se tirer sur cet arbre. Ah, finalement, non, c'est juste pour se rendre extrêmement à l'autre bout du monde. Ok, bah c'est quand même utile pour changer d'environnement, mais malheureusement, c'est pas là que je dois aller. On va revenir sur mon pas. Et j'aime très bien le mix entre les deux musiques de ce niveau. Je le trouve super bien fait. Et quelqu'un qui m'a dit vite fait ici. Il m'a dit que c'était tout simplement un mini-jeu qu'on peut débloquer. Mais je sais pas si c'est vrai ce qu'il dit ou si c'est faux. Donc j'ai envie de garder la surprise. Peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est pas le cas. Donc on va essayer de prendre une fleur de feu pour essayer de revenir sur nos points. Puis essayer de défoncer ce truc. Ça je crois que ça peut se défoncer normalement aussi. Hein. Ouais, voilà. Donc au pire on va descendre jusqu'en bas pour aller chercher la fleur de feu. Qui est juste de l'autre côté. Mais laisse-moi s'il te plaît. Voilà. On va se rendre de l'autre côté et on va voir si c'est réellement le cas. Je me souviens plus si c'est quelqu'un qui m'avait dit le tout ou si c'était juste moi qui étais beaucoup trop intelligent. Je crois probablement le premier choix est le plus valable. C'est probablement que je suis con et c'est quelqu'un qui me l'a dit. C'est juste de remonter. Voilà. Donc, non, ça se défonce pas. Donc, c'était une hypothèse. Finalement ça se défonce pas, c'est juste un petit clin d'œil, je sais pas trop pourquoi ils ont mis ça, mais ça a sûrement un sens caché à la vie. On va pas essayer de le comprendre aujourd'hui, malheureusement. Donc, on lance des boules de feu parce qu'on se croit cool. Même si ça fait... Oh merde, oh merde, oh merde, oh merde. Il enfonce si tu... Ok, j'ai le temps de partir. Voilà. Donc là, on va être rendu à 4 pièces, il me semble, dans 5. Et aussi, juste en parlant vite comme ça, de toute façon, cette vidéo risque de sortir après que le premier épisode de Paper Mario est sorti. J'espère que vous avez bien aimé ce let's play jusqu'à maintenant. Bon, il va sûrement avoir un épisode ou deux. Mais jusqu'à maintenant, moi, je m'amuse comme un petit fou, vraiment, sur ce jeu. Je le trouve vraiment cool. Et les possibilités du jeu sont vraiment assez classe. Donc, si vous avez toujours pas regardé, je vous conseille d'aller faire un petit tour. Sinon, bah... Je sais pas, faites ce que vous voulez, hein. vous êtes assez grand de toute façon pour par vos propres décisions dans la vie. Ok, ça descend. Ça, ici, on avait une. Il va m'en manquer une. Elle est pas dans... Oui, voilà.
Tap ta-da! Pa-da-pa-pa-pa! Hé! Beaucoup trop fort. Donc on va prendre ce pad pour se téléporter à l'autre bout du monde. Donc finalement, on laisse tomber le projet. C'est beaucoup trop loin pour une perte de temps. Et je pense que j'ai perdu mon power-up en même temps de... What the... Voir qui m'a pris dans les arbres d'ici. Non, non, s'il te plaît, je veux vraiment pas mourir comme un con. Voilà, merci. Hop. Par ici. Et voilà. Il nous manque 5 étoiles pour changer de hub. On y croit. Moi, j'y crois encore. Je sais pas si on a fait toutes les étoiles dans ce niveau. Je crois que si. Non, il nous en manque une. On va le faire, parce que à date, c'est des étoiles quand même assez faciles qu'on peut faire. Beats the Blarks. Les Blarks. Qu'est-ce que c'est, les Blarks? Les Blarks, c'est pas les espèces de gros moches que je dois sûrement tuer en ayant le pouvoir de l'autre. Je suis prêt à dire que les Blarks, c'est supposé être ça. Parce que c'est le seul ennemi, vraiment, que je crois qu'on peut battre. Et c'est sûrement avec le pouvoir chacun de l'arme des cartes. Ok, j'ai réussi à monter. Nice. Et là, ici, j'ai besoin de la fleur de feu. Que j'ai pas. Il va falloir aller la chercher. De l'autre côté. Exactement ici. Mais avant, on va aller, hop, jusqu'ici pour aller prendre celle de glace. On va voir si la stratégie de comme la glace avec le feu, ça fonctionne. Déjà en partant, c'est le premier truc. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que normalement ça devrait fonctionner, donc on va tester le tout. Hein. Oh merde. Ah non, je pars vraiment au power-up. C'est la tristesse d'un homme là en ce moment. Donc je vais retourner jusque là-bas. Allez, comme si de rien n'était. Non mais s'il te plaît. Ça m'énerve que ça me touche. Mais ça mais s'il te plaît. Mais s'il te plaît, mais stop. Merci. Ça suffit. Je fais rien de mal, je suis juste qu'un petit bonhomme qui se promène et c'est tout. Je fais pas de mal dans la vie, hein. Calmez-vous. Ok, donc là on va essayer de se retirer là-bas. Hop. Passe à côté. Et voilà, c'est réussi. Nice. Donc, la stratégie étant la suivante, j'ai envie de tester, mais en même temps j'ai pas envie de tester. Attendez, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Oh. C'est vraiment cool que ça fonctionne quand même. En plus, ça fonctionne vraiment sans bug. On va juste tasser. Je pense que je l'ai battu là. Ouais, ok. C'est vraiment cool que ça fonctionne aussi aisément que ça puisse en paraître. Hein. Vraiment, on se promène sans aucun problème. Est-ce qu'avec le feu, on peut faire la même chose? Ça, c'est la question que je me pose. Là, est-ce que c'est normalement ça fait une fleur de feu? Voilà, merci. Donc, il va falloir aller battre celui de glace qui est de l'autre côté. On va se rendre jusque là-bas. Ça, je vais pas me faire toucher. Nice. Hop. Ok, donc là, lui... Je sais pas si ça fonctionne. En même temps, j'ai pas envie d'essayer. Donc, j'ai juste envie de le battre très facilement. Genre en mode comme ça. Voilà. Et je vais tester après. Parce qu'en gros, j'ai pas envie de revenir sur mes pas. Hop. Non. Ok, une chance, je l'ai tué quand même. Mais elle est où, l'étoile? Oh, s'il te plaît. Ok, il est sûrement de l'autre côté. Ouf. Au moins, ça est revenu de mon côté. Si ça avait juste fait un gros comeback sur Mario, je pense que j'aurais réagi pour le restant de ma vie. Hein. Hop. Où est l'étoile? L'étoile. Minou, minou, étoile. Ouais. 4 étoiles qui nous manquent. Pour les 80, on y croit. Je ne sais vraiment pas si pour les 80, c'est pour la fin du jeu. Ou sinon, il y a un autre emplacement qu'on peut se rendre pour... comme avancer dans le jeu, mais à ce moment même j'y crois pas. On va aller dans la ruche d'abeilles, puisqu'il y avait une étoile qu'on pourrait faire assez facilement. Ah, juste aller voir ici. Hop. Ça pour le canon, ça va être dans la base. On va aller dans la base, on l'avait pas faite. On avait un petit peu ragé. Ben, j'avais un petit peu ragé plutôt, hein. Faut se dire quand même les vraies choses. Ça, il y a peut-être pas... Attendez. Ah ok, c'est juste des nuages, juste pour faire un semblant. Ok, bon, on va se rendre alors vraiment dans la prison. Je pensais que les nuages s'arrêtaient comme dans l'autre niveau, mais finalement non, ça les rend pas. Je sais pas pourquoi ça nous vise par là en premier, moi je vais me rendre par là-bas. Et hop,
C'est parti, allons dans la prison. Bim. Ok, c'est parti, nous sommes dans la prison. J'ai envie de faire des trucs super sympas. Et là, j'ai envie vraiment de récolter toutes les... les pièces rouges. J'y crois que je peux y arriver sans mourir. Mais je sens que ça va être chaud quand même à voir. Bon, on y croit, on y croit. On est là pour faire des trucs de fou. Il faut quand même faire des trucs de fou des fois dans la vie. Il faut quand même des fois faire des performances dignes de ce nom. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ouais, là j'ai oublié de prendre ça ici. On va retourner. Hop. Ok, on va essayer de placer la caméra pour nous aider un petit peu. Voilà. Ok. Ok, jusque là, tout va bien. Tout va bien encore. Tout va bien. Tout va mal. Tout allait bien. Pourquoi? Ok. Je pense que je vais y aller avec une safe state, juste pour dire, juste pour me rassurer. Des fois, c'est juste ça qu'est-ce qu'il faut. Faut juste faire la petite safe state en mode genre... Mad Bob, t'inquiète, tout va bien aller. T'auras pas de problème. La safe state est là pour te sauver s'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est juste ça que la safe state fait en gros. Hein. C'est le seul principe même de la safe state. Faut pas essayer d'aller plus loin. Donc voilà, c'est parti. On va se concentrer un petit peu là-dessus. On médite. On prend notre temps. Tout est bien qui finit bien. On va réussir ce niveau. J'y crois. Moi, j'y crois. J'ai juste de voir encore un système d'ombrage. Qui quand même, c'est cool. Hop. Hop. Voilà. Donc ça, c'est fait. C'est fait plutôt. Hein. C'est pas c'est fait. Hein. C'est fait. On va faire une autre petite safe state. Juste pour se donner de la puissance. Se donner du courage. Oh merde, j'ai quasiment tombé. Ok, double saut réussi. On est de retour dans le game. Ne vous inquiétez pas, tout le monde est heureux. Là, normalement, il y a une pièce rouge, je crois, là-bas. Hein. Si je me trompe vraiment pas, il y en avait une exactement ici. On est quand même rendu à 5. Quand on est rendu... Non ! Vous avez rien vu. Tout est sous contrôle. La première safe state de ma pop. Je suis trop méchant hein, quand même, mais je vous dis, ce genre de niveau impardonnable, j'ai pas envie non plus de recommencer je ne sais pas combien de fois. Je vais vraiment essayer de le faire pas trop souvent. Je sais que vous aimez pas quand je fais des safe states. Donc vraiment, même moi non plus, hein, j'aime pas trop. J'aime ça quand je réussis le tout de ma propre façon. Et des fois, c'est des erreurs de con qui me pardonnent vraiment pas. Ah, parfait. Ok. Ça, on doit aller ici. Après, comment qu'on fait pour... Oh, mais celle-ci, elle est vraiment... What the fuck? Ok, celle-là, elle est quand même assez ardue. Ça me fait quand même assez peur. Bon, on va y aller, on va y aller. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. On y croit plus, finalement. Ok. Mais comment vous voulez que je la prenne? Attendez, on va essayer autre chose. Mais comment... S'il vous plaît, là j'avoue que les safe state, je me sens tellement mal de les utiliser, mais comment vous voulez prendre cette pièce sans foutre la merde quoi? Papa pipop. Papi pap papi pap pipop. Papi pap. Non! Je suis où? Ok, je suis encore en vie. Je m'en allais tellement. Ok, on va essayer d'y aller avec la caméra, guidée d'une certaine façon pour nous aider. Même si elle nous aide pas vraiment. Non, 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 mais... Vous avez vu, j'étais dessus. Et là, j'ai vraiment envie de rager. Sans safe state, là, j'aurais vraiment comme crié ma mort à tout jamais. Voilà. J'aime bien l'idée de la spirale, mais en même temps, je l'aime tellement pas. Pourquoi vous faites des trucs comme ça, des fois, dans les jeux vidéo? Surtout que la plateforme, elle est hyper pute. Non, mais... Je suis dessus. J'ai envie de rager! J'ai envie de crier! J'ai envie de tout casser, s'il vous plaît! Voilà, on revient. Ok.
Safe state, merci. Tu m'as saoulé. Le ca... Oh, cassoulé. Mais... Vous voyez la même chose que moi, je suis rendu en haut, puis c'est comme si la plateforme n'existe plus. C'est comme si en fait, genre, oh là là, il n'y a plus de plateforme. Je sais pas trop pourquoi il n'y a plus de plateforme à un moment donné. C'est comme si... Ici... Ici même, genre, cette mini-plateforme, elle existe juste pas. Ok. Ça m'a trigger, ça m'a vraiment énervé. Hop. Là, il y a une vie en dessous, mais je vais complètement laisser tomber. Non, mais... Oh, j'ai envie de crier. Oh, j'ai envie de tout casser, sérieusement. Oh, mais ce... Ça là, vous pouvez vraiment pas dire que genre, c'était voulu, c'était bien, c'était cool, c'était trop bien pensé. Non. Non. Tu mets pas des trous comme ça, à des endroits comme ça. Tu peux pas. Tu peux juste pas. Tu peux juste pas. Tu peux pas. Ce niveau, je pense, c'est le pire de tous les speedrunners. Genre, en ce moment, c'est genre le pire truc que tu peux avoir dans un speedrun, c'est arriver où je suis rendu. Ok. 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 Tout va bien jusqu'à maintenant. Long jump, traverse. Long jump, ça traverse. Long jump, ça traverse. Quoi? Il y a une étoile bonus là. Vous me blaguez? Comment je fais pour me rendre là-bas? Ok, il y a un checkpoint là-bas. Est-ce que je peux prendre comme l'étoile, puis Ok, ça compte comme une étoile, genre bonus, ok. Ah, c'est peut-être le niveau de Bowser, ça. On va prendre le checkpoint et on va essayer de faire des trucs de fou. Les engrenages qui sont là-bas. Est-ce que selon vous, je peux me rendre genre jusqu'à là-bas en faisant genre une espèce de long jump, la mort qui tue? Moi j'y crois. Moi j'y crois. Je crois en la puissance des cartes. C'est parti. Je vous ai dit que ça se rendait. Je vous l'avais dit que ça allait se rendre. Ouais mais là je sais pas comment je fais pour monter. Non. Non. Ok, c'est pas grave, je recommence là-bas. Même si je recommençais au checkpoint, j'aurais pu juste continuer de toute façon. C'est vraiment des étoiles placées genre de façon trop FDP, genre vous pouvez pas savoir comment. Là vu que je veux pas oublier dès que j'aille prendre le checkpoint, je vais faire ça tout de suite. Ok mais cette étoile elle est hyper... Oh, s'il te plaît, hop, voilà merci. C'est hyper tendu quoi. Et là-bas la pièce me fait grandement penser... Non. Grandement penser à... Ouh. Ça fonctionne vraiment, c'est vraiment... Wow. Ok, hop, hop. Non mais, s'il te plaît. Les engrenages ont un peu de difficulté. Hein. Elles sont un peu rouillées là. Là, je sais pas si je peux descendre ou s'il faut juste que je saute sur ces étoiles. C'est pas grave, il y a le checkpoint. Il y a le checkpoint. Cet épisode du cancer présenté par Matt. Ce que j'ai à dire. Bon, on retourne dans cette prison. Et je pense que c'est le deuxième niveau de Bowser. Hein. Je crois que ça ressemble pas mal à ça. Finalement, c'est peut-être ça. Checkpoint. On a pris le checkpoint. Et le checkpoint. Et là, hop. Ouh. Non, non, non. J'en ai rien à foutre. On va recommencer ici. Ah, mais merde, quoi. Ça fonctionne un coup? Ça fonctionne pas l'autre. Vous pouvez m'expliquer cette logique à deux balles que je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a des étoiles bonus qu'on aimerait avoir dans ce monde, s'il vous plaît. C'est des étoiles bonus facilement faites, facilement prises. Ouh. Un checkpoint. On revient sur nos pas. On saute ici. Safe state. Ok.
Là, je vous dis vraiment, c'est seulement pour ce niveau. Non, 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 non. Ça va être simplement pour ce niveau que je veux faire un max de save state. Vraiment, c'est juste parce que j'ai pas envie de recommencer. Comment ça, là, je pars 4 de vie? Tantôt, j'en perdais 2. Le GK 2 balles de ce jeu. Non, mais... Non, mais... Ok. Parfait. Je l'ai eu, cette étoile. Bon, maintenant... pas le choix. Bye bye. Hasta la vista, bébé. Parfait. Donc, on a cette étoile. On va aller battre Bowser maintenant. C'est sûrement ça qu'il va falloir aller battre. Hein. J'avais tellement pas envie de remonter jusqu'en haut. Hein, parce que je vous dis, vraiment... J'aime pas les... Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les niveaux qui ne pardonnent pas, c'est les niveaux que j'aime le moins dans ce monde. Et là, il y a un truc que je me suis toujours posé la question, c'est qu'il y a une étoile comme cachée au début. Attendez, est-ce que ça compte de... Oui, ça compte de... des étoiles cachées. C'est en début de niveau, il y a une porte à gauche qu'il faut rentrer directement pour débloquer un truc. Et j'ai aucune idée, ça serait quoi. Et là, ça ici, ça me fait grandement penser... Wow, c'est blanc. Ah, mes yeux. Ça fait vraiment penser au truc de... Il va y avoir un truc... Hein. C'est un Dark Mario, c'est sûr. C'est sûr. Voilà ce que je pensais. C'est un Dark Mario. Donc c'est vraiment pris de... Comment je fais pour... Wow! Mais il m'attaque tellement comme un fou. Comment je fais pour essayer de le battre? S'il te plaît. Je pense que là je lui ai donné un coup, non? Et je pense qu'il fait exactement un peu la même chose que moi. Non. Non. Il n'y a pas comme une habileté quelque part que je peux peut-être prendre ou... Non. Non plus. Non plus. Oh, je viens de faire un coup. Non. Ok. 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 C'est la guerre qu'il va avoir. Je m'en doutais que ça allait être ça. Mais comment je fais pour le battre? C'est sûrement avec des culbutes. Ok. Et je dois juste avoir un bon timing. Ce que j'ai pas en ce moment. Mais c'est pas grave. Même le jeu m'en veut. Le jeu m'en veut. Le jeu m'aime pas. Le jeu m'aime vraiment pas. Le jeu a envie de faire comme... Non. Eh. Hey. Non. On n'a pas envie que tu fasses des trucs cool. Fait qu'on abandonne le projet. J'en peux plus. 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 Là, ça passe. Là, ça passe amplement. Là, il est impossible que ça fasse genre non. Merci. Donc le checkpoint. On va faire une safe state. Et on va les battre, ce Mario. Cette fois-ci. On va la faire maintenant, vu qu'on est à côté de la porte. Hop! Voilà! Nice! 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 Merde! Nice! Nice! Il est mort? Ah non. Oh, il commence à faire des esquives, là. Wow, wow, wow! Non, 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 non! Non, 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 tu commences pas à envoyer des trucs comme ça. Wow, wow, wow! Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Ah, nice! Eh, le mec, il commence à t'envoyer des portails de la mort qui tue, quoi. J'ai genre pas envie de dealer avec ça. Nice! On a la clé! On a enfin fini cette vidéo! Je suis fier de moi! Shadow Factory clear! Nice! Mais la clé, elle sert à quoi? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Ouais. Donc, je vais retourner dans le niveau. Peut-être que la clé était exactement le but principe de la Shadow Factory qu'il fallait utiliser. Je ne sais pas trop. On va se laisser là-dessus. On va regarder dans le prochain épisode. Merci tout le monde et à la prochaine.